Le Covid-Bill n'est rien d'autre qu'un aspirateur dans les poches des consommateurs et dépouille les travailleurs de leurs droits acquis. C'est un subterfuge pour remplir les caisses du gouvernement, alors que certains pourront préserver leur train de vie, d'autres vont perdre leurs emplois, creusant davantage les fossés entre riches et pauvres. Monsieur le Président, le manque de consultation avec les différents stakeholders est décrié. Je pense que tous les parlementaires sont en présence de pétitions venant des syndicats, de l'éminent professeur Parsouramen, de la Société des psychologues, de l'Observatoire de la démocratie et du secteur éducatif, dénonçant la manière de faire du gouvernement. Est-ce que le gouvernement a eu l'opinion des experts sur le timing et les modalités de la réouverture des établissements scolaires sans mettre en danger la sécurité sanitaire des élèves tout en ne pas discontinuer leur éducation? Quel est le protocole à adopter au cas où une personne malade doit voyager en bus ou métro pour aller à l'hôpital, mais la personne n'a pas de masque? Toutes ces interrogations méritaient et méritent toujours une bonne consultation avec les différents stakeholders. De plus, le nombre d'heures allouées pour débattre de ces projets de loi est contraire à la démocratie. Nous sommes contraints de lire des discours préparés pour pouvoir utiliser au maximum le temps qui nous est imparti. La population a aujourd'hui les yeux braqués sur ceux qui se disaient démocrates, proches des syndicalistes, et d'autres animant des conférences de presse pour dénoncer la manière de faire du gouvernement et voulaient faire de la politique autrement. C'est vrai, Monsieur le Président, qu'ils le font autrement, en reniant leurs valeurs pour le pouvoir à tout prix. Et parlant des prix, alors que ceux-ci prennent l'ascenseur et que les consommateurs sont tondus, le ministre concerné avait disparu pendant quelque temps, laissant la tâche à son collègue du tourisme qui essayait tant bien que mal de défendre l'indéfendable. Permettez que je remercie les différents frontliners, de quel secteur qu'ils soient. D'autres honorables membres l'ont dit du côté de la Chambre, des deux côtés de la Chambre. Et l'honorable Nagalingam lui-même avait posé une question adressée au Premier ministre la semaine dernière à ce sujet, sur le besoin de compenser et même de récompenser ces frontliners. Nous avons une pensée spéciale pour eux et aux familles qui ont perdu un des leurs. Il y a actuellement une pétition en ligne pour donner le nom du docteur Bruno Chong à l'hôpital de Flac, où il avait exercé pendant plusieurs années. Je ne sais si le gouvernement a pris connaissance de cette pétition et ce qu'il compte en faire. Mes remerciements vont également aux officiers de la Sécurité sociale, menés sous la houlette de M. Ramjanen, qui a été au four et au moulin pour la distribution des provisions. Mais les critères d'éligibilité du gouvernement étant trop restreints, à savoir seuls ceux qui touchent le Carers Allowance et ceux qui sont sur le Social Register, une majorité de personnes vulnérables n'ont pu bénéficier de l'aide du gouvernement. Et il y en a beaucoup dans ma circonscription et ailleurs dans les autres circonscriptions. N'était-ce l'aide de certains députés qui sont venus en aide à ces personnes? Je ne sais pas ce qui serait arrivé. Les députés de l'opposition se sont démenés sans pour autant faire appel à la STC pour du riz et de la farine, ou au Agricultural Marketing Board pour des pommes de terre et des oignons.
Des enfants n'ont pu avoir à manger parce que certains se fiaient au repas fourni à l'école. Hier, l'honorable membre Shakil Mohamed en a fait état. Le ministère devrait trouver une formule pour que les enfants puissent bénéficier d'un repas pendant le confinement. Les self-employed, ils ont eu beaucoup de mal pour obtenir leur allowance sous le self-employed scheme. Beaucoup ne sont pas computer literate et ne pouvaient donc pas accéder au website de la MRA. De plus, le hotline étant constamment occupé, on le comprend. Comment fait-on donc pour qu'eux aussi ne soient pas pénalisés? Est-ce que les artistes et les pêcheurs ont été aidés pendant le confinement? Si oui, d'où provient l'argent? Il ne serait pas normal que le allowance soit puisé du Bad Weather Allowance ou des fonds de la MASA respectivement. Monsieur le Président, il est un fait également que des personnes en situation de handicap sont les plus touchées lors du confinement. Madame l'honorable Stéphanie Antil en a parlé hier. Seul un panier de provisions ne règle pas le problématique. Ils ont difficilement accès aux services et aux médicaments. Des malentendants arrivent difficilement à trouver des piles pour les appareils auditifs. L'accès aux soins, à cause de la distanciation sociale, les rend encore plus vulnérables. De plus, avec une mobilité réduite, elles ne peuvent souvent pas respecter la distanciation sociale, car des fois, elles ont besoin de l'aide d'une autre personne. Est-ce qu'il y a eu des consultations avec les organisations compétentes pour voir comment venir en aide de façon efficace à ces personnes pendant le confinement? Il y a eu une dérogation pour les enfants autistes, mais il faudrait en trouver également pour d'autres cas de handicap. Et pour cela, il fallait consulter les experts, Monsieur le Président, en entamant un dialogue pendant le confinement et l'après-confinement surtout. Par faute de temps, je ne vais pas mentionner la problématique des violences conjugales, le nombre de breach of protection orders et la maltraitance des enfants par ceux qui sont censés les protéger. L'honorable Mademoiselle Antil en a longuement parlé hier. Nous avions toutes deux une question sur le sujet mardi dernier. Dans le secteur de l'éducation également, il est déplorable qu'il n'y ait pas eu de consultation. Aucune consultation avec les représentants du secteur avant de proposer des amendements à la loi sur le Education Act, comme ce fut le cas pour la réforme électorale, la réforme de l'éducation. Est-ce que les PTA ont été consultés? D'ailleurs, des organisations syndicales du secteur ont adressé une lettre dans ce sens à tous les parlementaires, leur demandant de ne pas voter les amendements relatifs au Education Act et parle même d'anticonstitutionnalité de ce projet de loi. Les amendements proposés dans le secteur éducatif mettent l'accent principalement sur les éléments suivants. Programmes d'apprentissage à distance et d'apprentissage en ligne, hygiène et assainissement, distanciation sociale et physique et sécurité d'emploi, ou devrais-je dire insécurité de l'emploi. Et les observations du corps enseignant sont les suivantes. Programme en ligne. Il n'existe aucune disposition pour la formation des éducateurs pour les programmes en ligne, ni de programme standard avec une plateforme électronique commune. Des dispositions n'ont pas été prises pour permettre à chaque école d'exploiter sa propre e-plateforme pour l'apprentissage en ligne avec un ID pour chaque éducateur et chaque élève. Une telle plateforme pourrait être connectée à un serveur central au niveau du ministère pour faciliter le contrôle et la surveillance qui peut se faire en un clic. Et les
les éducateurs pardon, peuvent se connecter au système où qu'ils soient. Cela permettrait d'éviter la section 38, sous-section ET, qui fait mention de registres concernant des détails sur le téléphone mobile et autres détails privés de l'éducateur. Cette provision est très grave dans la mesure où cela va à l'encontre du Data Protection Act. Aucune disposition n'avait été prise pour fournir aux étudiants des groupes vulnérables, des appareils, des tablettes électroniques, des tablettes digitales, des apprentissages. Donc, les enfants vulnérables ont été négligés, n'ont pas eu de tablettes. Donc, aucune disposition pour les forfaits d'installation d'Internet gratuit, par exemple, dans un esprit d'égalité des chances éducatives pour tous. Monsieur le Président, des étudiants vivant dans certaines poches de pauvreté n'ont pas été en mesure de suivre les programmes éducatifs diffusés, soit n'ayant pas de tablette digitale, soit que des parents ne sont pas computer literate ou ne comprennent pas l'anglais et ne pouvaient donc pas suivre les instructions comme le downloading, le Zoom, etc. De plus, comme les manuels scolaires sont gardés à l'école, beaucoup d'enfants ont été pénalisés pendant le confinement. Selon l'UNESCO, la situation de confinement creuse davantage les inégalités. Et il y a danger de déscolarisation qui guette principalement les pauvres et ceux qui ont déjà des difficultés d'apprentissage. L'UNESCO aurait organisé une visioconférence face à l'urgence du coronavirus, exprimant la crainte qu'un sur cinq élèves soit déscolarisé. Je ne sais pas si le ministère y a participé. Nombre d'apprenants n'ont pu adhérer à l'apprentissage en ligne. J'avais une question sur le sujet le mardi 5 mai et le 8 mai, le Conseil des ministres a pris la décision de distribuer 2572 tablettes digitales. En distribuant les tablettes maintenant seulement, cela indique clairement que des enfants ont déjà été pénalisés. C'est cela creuser les inégalités. Cela démontre également que malgré des sommes colossales dépensées en termes de tablettes digitales et dénoncées dans le rapport de l'audit comme des gaspillages, qu'en n'étant pas aux normes requises, il n'y a pas eu de résultat escompté. Ce n'est que maintenant que les enfants vont recevoir leur tablette. Et la question est, comment est-ce que la distribution des tablettes va se faire pendant le confinement? Quelles sont les écoles qui vont bénéficier de ces toilettes, de ces tablettes? Et après cette distribution, est-ce que la totalité des élèves auront obtenu les leurs? Je parlais de toilettes parce que j'allais venir sur la santé, hygiène et sanitation. Alors, santé, hygiène et sanitation. Le protocole établi se rapporte aux conditions sanitaires essentielles, mais plusieurs questions restent floues, telles que, au cas où il y aurait un cas suspect ou confirmé de COVID-19, quel est le protocole à suivre? Qui désinfectera les bâtiments scolaires? Les classes, les toilettes. Combien de jours avant la reprise est-ce que l'exercice de désinfection devrait être effectué en sachant que de nombreux produits chimiques peuvent avoir des propriétés qui durent plusieurs jours et qui peuvent représenter un risque pour la santé des enfants? Combien de fois dans une semaine l'école doit-elle faire doit-elle être complètement désinfectée? Des informations précises doivent être données quant au port obligatoire des masques, le lavage des mains, quel type de masque est approprié à porter, pendant combien de temps les étudiants et le personnel peuvent-ils porter leur masque pendant une journée,
À quelle fréquence doivent-ils renouveler le masque? Comment les étudiants et le personnel obtiendront-ils le masque? Nous savons tous, Monsieur le Président, que beaucoup d'élèves sont issus des milieux défavorisés et ne peuvent se prémunir des masques. Comment traiter un élève qui arrive à l'école sans son masque? Peut-il être privé de scolarité? Il est difficile de s'organiser pour permettre aux élèves de se laver les mains après deux périodes. Qui fournira de quoi se laver les mains? Le maintien de la distance sociale a été présenté comme mesure préventive majeure. Par conséquent, les éducateurs s'interrogent sur le nombre d'élèves autorisés par classe, de même que le protocole au cas où un parent ou autre visiteur souhaiterait venir à l'école. Il semblerait que les élèves de l'école secondaire privée n'ont jamais bénéficié de services de transport par autobus, dedicated buses. Comment l'autorité veillera-t-elle à ce que chaque école dispose d'un nombre suffisant d'autobus scolaires pour assurer la distanciation physique pendant le transport à destination et en provenance de l'école? Des interrogations viennent des parents qui ont des enfants en crèche. Est-ce que les parents doivent payer les crèches alors qu'ils ont gardé leurs enfants pendant le confinement? Il est vrai aussi que les crèches ont certains fixed costs. Je pense que les autorités se doivent de trouver une formule, le juste milieu, pour ne pas léser les uns et les autres. Il y a également des parents qui travaillent, not from home, et qui n'ont personne pour veiller les enfants. Il faudrait trouver également une formule à ce sujet, Monsieur le Président. Le gouvernement n'a bien sûr pas pensé à cela par manque de dialogue, encore une fois. Monsieur le Président, le projet de loi COVID-19 suscite une vague de peur parmi le personnel des écoles et les travailleurs de ce pays en général. Ce projet de loi est une trahison envers la classe ouvrière. L'emploi est menacé alors que les prix prennent l'ascenseur. Les travailleurs seront dépouillés de leurs droits acquis. Cette loi creusera encore plus les fossés entre les riches et les pauvres. Encore heureux que la population mauricienne est un peuple responsable. Mais les cendres couvent sous le feu et il faut éviter une explosion sociale. La solution est de mettre l'arrogance de côté, comme on l'a vu ce matin, et de gouverner dans le dialogue pour que la population puisse s'approprier tout projet du gouvernement et en fait le leur. Merci, Monsieur le Président.